Depuis une dizaine d'années, l'écologie s'est imposée comme un sujet de discussion majeur en Formule 1. L'année 2019 marque un tournant dans l'histoire du sport, puisque la F1 a annoncé des objectifs écologiques très ambitieux, à savoir un bilan carbone zéro d'ici à 2030. Cet engagement pris par la Formule 1 est bien sûr une réponse à l'urgence climatique qui nous concerne tous. Les sports mécaniques ne sont pas épargnés par la critique, en particulier la catégorie reine du sport automobile. Et à juste titre, la F1 est un sport énergivore, à la logistique monstrueuse et qui a sans aucun doute une empreinte carbone importante. La Formule 1 veut évoluer, d'abord parce que c'est dans l'intérêt de tous, mais aussi et surtout pour améliorer son image. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire pour réduire l'impact des grands prix sur le climat, mais il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui méritent d'être soulignés. Ross Brawn, le directeur technique de la Formule 1, nous indique même que le sport est en train de devenir une sorte de laboratoire de sciences environnementales à la recherche de solutions pour aider la société dans son ensemble. Alors il exagère peut-être, mais il y a du vrai dans ce qu'il dit. Les unités de puissance qui arriveront en 2026 seront plus respectueuses de l'environnement et le futur carburant synthétique des voitures de Formule 1 devrait être disponible pour le grand public. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire pour changer les choses, mais le chemin que le sport emprunte est sur le papier plutôt positif et il faut savoir le reconnaître. Mais la F1 ne tient-elle pas un double discours? Parce que d'un côté, il y a des objectifs écologiques très ambitieux, mais de l'autre, il y a une stratégie commerciale qui fait grincer des dents. Avec un calendrier de plus en plus long, des déplacements à rallonge, des courses qui passent d'un continent à l'autre en moins d'une semaine, Liberty Media est sous le feu des critiques. Alors qu'en est-il? Avec sa stratégie de développement actuelle, la F1 peut-elle vraiment tenir ses engagements? Pour comprendre tout ça, il faut d'abord analyser en profondeur quels sont les objectifs écologiques de la Formule 1. Le 12 novembre 2019, la F1 a annoncé les grandes lignes de son plan de durabilité écologique, comme elle aime à le qualifier. Cette résolution fait suite aux résultats d'une enquête commandée par la Formule 1 elle-même et qui ne dresse pas un bilan écologique très glorieux. Dans ce rapport, on apprend notamment que le sport émet environ 256 000 tonnes de CO2 par an. Alors j'ai fait quelques calculs, et je vous mets ma source en description, mais ça correspond environ à 18,5 millions de voyages Paris-Amsterdam-Antalis ou encore la consommation électrique annuelle de 166 000 foyers aux Pays-Bas. Dit comme ça, ça fait beaucoup, et s'attaquer à ce problème est extrêmement complexe. En plus, ce chiffre n'inclut même pas les émissions générées par les fans, logement, transport, activités sur place, etc. Le rapport indique que 45% des émissions carbone proviennent de transports aériens, maritimes et routiers, nécessaires à l'organisation de chaque Grand Prix. Ensuite, près de 28% concernent le transport de personnel de chaque écurie, des promoteurs et des partenaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est impossible d'éliminer complètement ces émissions carbone, elles peuvent être seulement réduites. La F1 est plus dans une logique de compensation. Pour compenser ses émissions, elle s'est engagée dans une grande manœuvre de plantation d'arbres et investit massivement dans les technologies de séquestration du dioxyde de carbone. Alors face à cet immense défi écologique, 5 piliers constituent la stratégie de la Formule 1, et on va les étudier un par un. D'abord, réduire l'empreinte carbone des monoplaces en piste. L'arrivée des moteurs turbo-hybrides en 2014 allait déjà dans cette direction, mais cette fois-ci, ils souhaitent aller encore plus loin. Les nouvelles réglementations moteurs qui seront effectives à partir de 2026 prévoient un nouveau carburant synthétique disponible pour les voitures de route, mais aussi la disparition du MGUH et une utilisation électrique accrue. On note également qu'aucun combustible fossile ne sera utilisé et les batteries devront obligatoirement être recyclables. Ensuite, la F1 prévoit d'avoir des bureaux, des infrastructures et des usines alimentées à 100% par des énergies renouvelables. Ça concerne toutes les écuries, à la fois dans le paddock, mais aussi en dehors. En clair, toutes les infrastructures temporaires utilisées chaque week-end de Grand Prix, comme les motorhomes ou les pavillons qui accueillent les écuries de F1, devront utiliser des énergies renouvelables. En parallèle, la Formule 1 prévoit également d'utiliser des matériaux durables lors de tous les événements en lien avec le sport. Ça concerne bien évidemment les Grands Prix, mais aussi les événements promotionnels. Tout ce qui est plastique non recyclé doit disparaître, et les différents moyens de communication physique devront être constitués de matériaux recyclés. Mais le grand chantier de la F1 est bien sûr la logistique. L'objectif, je cite, est d'adopter une logistique et des déplacements ultra efficaces. Ça concerne principalement l'acheminement de marchandises. La F1 a notamment mis en place de nouveaux conteneurs permettant d'utiliser des avions plus respectueux de l'environnement. En plus de ça, la diffusion des courses est assurée à distance depuis 2020, directement depuis leur bureau en Angleterre. Ils ont réduit d'environ un tiers le personnel se déplaçant sur place lors des week-ends de course et donc réduit en conséquence le transport de matériel. C'est une belle performance, et la F1 assure que c'est le premier sport majeur qui diffuse une telle compétition essentiellement à distance. Enfin, la dernière grande mesure pour réduire les émissions carbone concerne ses fans. La Formule 1 souhaite mettre en place des outils pour offrir à chaque spectateur un moyen plus écologique de se rendre sur les circuits. Ça peut être grâce à des navettes, du covoiturage, etc. En plus de ça, les infrastructures accueillant les spectateurs devront être plus respectueuses de l'environnement et offrir aux associations locales la possibilité de s'impliquer davantage dans la gestion des courses. C'est un beau programme, et il faut le dire, la F1 se donne les moyens d'avancer et son plan de développement durable est sur le papier très intéressant.
Malgré tout, beaucoup d'acteurs, dont certains bien connus du paddock, n'hésitent pas à critiquer les décisions prises par la FIA et Liberty Media, jugeant que les actions mises en place ne sont pas suffisamment efficaces. Alors, est-ce que c'est vrai? Et pourquoi la F1 continue-t-elle de recevoir autant de critiques négatives? Si beaucoup saluent la F1 pour son engagement écologique ces derniers temps, les mesures mises en place ne vont pas assez vite pour certains. C'est par exemple ce que nous dit Lewis Hamilton. Tout comme Sébastien Vettel, Hamilton est très engagé dans son combat contre le réchauffement climatique, et ses déclarations pèsent lourd. Pour lui, les partenaires de la F1, que peuvent être les grandes industries, les gouvernements et les acteurs du sport en général, devraient agir plus radicalement. S'il salue l'objectif de neutralité carbone de la F1, il ne comprend pas pourquoi tous ces changements prennent autant de temps. Car selon lui, ces acteurs disposent de suffisamment de moyens et de pouvoir pour accélérer les choses, mais ce n'est tout simplement pas leur priorité. Il considère qu'ils pensent davantage au profit et à différents moyens de se faire de l'argent plutôt que de concentrer tous leurs efforts vers des objectifs écologiques. Alors évidemment, ces propos font sens, mais Ross Brawn estime quant à lui que son sport travaille dans la limite de ce qui lui est possible de faire. À ses yeux, la Formule 1 ne peut avoir qu'un impact limité sur les décisions gouvernementales par exemple, et il préfère se concentrer sur la recherche et le développement. C'est à travers la technologie qu'elle peut faire la différence. Évidemment, il fait référence aux moteurs et aux carburants synthétiques prévus pour 2026. Selon une étude du cabinet Bloomberg NEF, 92% des voitures dans le monde en 2030 ne seront pas électriques, et c'est une énorme opportunité pour la F1. Ce nouveau carburant, qui ne nécessite pas l'utilisation d'énergie fossile, devrait pouvoir être utilisé par n'importe quelle voiture de route. L'objectif pour Brawn est que celui-ci s'impose comme l'un des principaux carburants partout dans le monde. Le paddock est un formidable lieu d'innovation technologique, et si toutes les écuries et la FIA s'allient pour travailler ensemble, ils peuvent développer des innovations qui peuvent bénéficier à la société à l'échelle planétaire. Pourtant, et malgré tout le mal que se donne la F1, il y a des points noirs dans cette stratégie. D'abord, Hamilton a raison sur le fait que l'implémentation de ces changements prenne beaucoup de temps. Je pense que la Formule 1 dans son ensemble aurait pu adopter des mesures plus tôt, mais je ne veux pas blâmer Liberty Media pour autant. Après tout, ils ne sont là que depuis 2017, et s'ils ont beaucoup de défauts, il faut reconnaître qu'ils se donnent les moyens d'accomplir leur objectif. Suffisamment de moyens, je ne sais pas, mais ce qu'il faut dire, c'est que tous ces changements prennent du temps. Il y a tellement d'acteurs, de partenaires et d'éléments externes à prendre en considération que c'est très difficile de mettre tout ça en place rapidement. Beaucoup d'initiatives sont mises en place pour que des technologies plus vertes soient introduites dans le sport petit à petit. Mais ces efforts sont à mes yeux gâchés par la stratégie d'attribution des Grands Prix de Liberty Media. Alors je ne suis pas du tout un expert en géopolitique, et encore moins en développement durable, mais en choisissant d'organiser des courses dans des pays où l'écologie n'est clairement pas une priorité, la F1 ne perd-elle pas en crédibilité? En dépit de ses objectifs de développement durable, dont elle fait inlassablement la promotion, le calendrier de la F1 devrait atteindre le nombre record de 24 Grands Prix en 2023. Cette augmentation du nombre de courses signifie naturellement plus de voyages, des opérations plus importantes, et donc davantage d'émissions carbone. Et je ne vous parle même pas de l'enchaînement des destinations. Quand tu passes de Bakou à Montréal, c'est presque 10 000 km de distance en l'espace d'une semaine. Franchement, il y a de quoi se poser des questions. À ces interrogations, Pat Simons, le directeur technique de la F1, répond que le nombre de courses calendriers importe peu, du moment qu'ils réussissent à atteindre leur objectif de neutralité carbone. Il est dans un objectif de compensation, c'est-à-dire que plus les émissions carbone générées par la F1 sont importantes, plus ils compenseront, entre guillemets, par des efforts d'un point de vue local et international. Ça peut être par exemple une aide à des associations locales, la plantation d'un plus grand nombre d'arbres, etc. Techniquement, je comprends ce qu'il veut dire, mais je trouve qu'il y a un énorme problème d'image. Ce qui ressort aux yeux des spectateurs, c'est que la F1 organise de plus en plus de courses et est parfois dans l'excès d'un point de vue pollution. C'est cet aspect de la Formule 1 qu'ils verront, pas le nombre d'arbres qu'ils vont aller planter en Amérique latine ou n'importe où ailleurs. Cette image qu'ils véhiculent peut avoir un effet sur le comportement du spectateur, et à mes yeux, c'est un facteur qu'ils sous-estiment grandement. Compenser, c'est bien, mais montrer l'exemple, c'est mieux. Autre point important, la F1 souhaite accueillir de plus en plus de public, ce qui génère forcément beaucoup plus de déplacements et d'émissions carbone. J'espère que des courses comme celle de Las Vegas, où l'on devrait avoir un public très important, n'auront pas de conséquences trop négatives. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a sans doute des solutions à mettre en place pour que la stratégie de développement durable de la Formule 1 soit plus crédible. Est-ce que ça passe par un calendrier plus court, par des déplacements moins longs, par l'utilisation davantage de technologies à distance? Je ne sais pas. Mais la vision globale de la F1 manque de cohérence. Les efforts de la FIA et de Liberty Media en faveur de l'écologie sont à saluer. Vous savez à quel point j'ai pu parfois être dur avec eux, mais il faut reconnaître qu'ils ont entamé un travail ambitieux et qui semble aller dans la bonne direction. Ce qui me fait peur, c'est que tous ces projets mis en place ne soient en quelque sorte qu'un travail de façade. C'est en tout cas ce que reprochent les acteurs majeurs du sport qui estiment pour beaucoup que la F1 peut faire plus et plus vite. Chacun se fera sa propre opinion, mais une chose est sûre, il y a encore beaucoup de travail pour accomplir cet objectif de neutralité carbone d'ici à 2030. Et à mes yeux, la stratégie commerciale de la F1 doit être remise en question, en espérant que les efforts de la FIA, du public et de l'ensemble des écuries du plateau finissent par payer.
C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des objectifs de neutralité carbone de la Formule 1, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à partager ça autour de vous, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine !